Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. C'est quoi ça? C'est un juge? Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Ils se font attaquer par des loups juges. Génial. Hop, mais apparemment les juges n'aiment pas mon sniper. Bonjour. Bien cru que c'était fini. J'ai jamais vu une chose pareille. Caisse de vinyle, cool. Ça trouve. Elle est coulée, mais elle est pas loin. Caisse de vinyle là. Hop. Donc, on continue la quête principale de la deuxième région. Bonjour madame. Mortelle. Ah bon. Merde. J'ai bien cru que j'allais y rester. Merci de m'avoir aidé. Au fait, moi c'est Sarah. Si tu grimpes à l'échelle, il grimpe pas, t'es sauve. J'étais chargée d'étudier les loups du parc, mais on a... Eh bien, on a trouvé ces choses. Oui, c'est pas vraiment des loups, c'est ça, c'est plus des juges. J'en ai jamais vu de pareil. La secte les appelle des juges. Ils sont plus gros, plus forts et plus résistants que les espèces du coin. Ouais, on nous en parle depuis le début du jeu. Oui. Quand on a refusé, elle a lâché ces choses sur nous. Alors Ellie et les Whitetails m'ont sauvé. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer l'ascenseur. J'ai une théorie qui pourrait nous permettre d'utiliser la formule de la secte pour traquer ces créatures. Et moi. Mais j'ai que des cadavres pour l'étudier. Il me faut un juge vivant. Ils sont partis où les mecs? Ça me trouve le cul en fait. Parce que ils sont venus nous sauver, mais après ils sont partis. Puis les ennemis sont revenus, forcément, vu qu'ils t'ont laissé dans la moindre surveillance, dans la moindre protection. Quelque chose pour vous aider à traquer ces bêtes. Ah! Vous rejoindrez au camp quand la voie sera libre. Ah ah ah! Ça m'intéresse. Mission principale, rejoignez le camp Breakthrough. Enfin, les agressions. Et c'est très très loin. C'est à 1 million de kilomètres. C'est à 1 million de kilomètres. Bah c'est parti. Ou alors on fait le Ford Drumman parce qu'il y a Urk. Je sais pas si vous savez, Urk, c'est Urk aussi de comment de Primal. Donc on va aller voir Urk d'abord, vu que c'est juste à côté, pour en profiter. Il y a un cadavre qui bouge, regardez, il y a une croix sur le niveau de la truc qui... Ah oui d'accord, il y a un cadavre qui bouge parce qu'il y a un cadavre au bout de la voiture. Intéressant, bon pourquoi pas. Je tiens à signaler que je me suis pas chié dessus. Ok, bah écoute, c'est très bien pour toi, hein. De toute façon, les ennemis te sont tirés à 10 km, si tu chies dessus, donc pas que nos ennemis sont des loups, hein, en l'occurrence. Salut, Urk! Toujours aussi frappadingue? Je vous ai dit d'approcher. Ah, alors c'est vous l'enflure dont parlait Dutch? À toi, Urk! Si vous êtes sur les listes électorales? Bah, oubliez ça! J'ai besoin d'un autre genre de coup de main. D'accord. Je vais aller droit au but. Vous voyez la déception sur pattes qui est en train de prier là-bas? C'est mon fils, Urk Junior. Il est con comme une moule. Il est con comme une moule. Sa mère. Oh putain, ça c'est triste. Il a paumé mon pick-up de campagne. Ah merde. Nancy. Il porte le nom de la meilleure première dame que ce pays ait jamais eu, bien sûr. Si ces putains de gauchos fans d'Obama découvrent la voyez venir. Pour protéger ce qui est à moi, je peux dire adieu au Sénat. Vu que je vous ai pas tué, alors que vous êtes chez moi, même si c'est mon droit en tant qu'Américain propriétaire d'une arme. Vous avez une dette envers moi. Aidez ce débile à récupérer mon pick-up, que je puisse me consacrer à ma campagne. Deux secondes, il y a du pognon qui me fait signe là. Essaye de pas merder. Urk va mener le vieux Drogman à sa perte. Je peux me croire. Oh non mais désolé, je veux juste être sûr que tu sais que je t'insulte pas parce que t'es du genre femelle, hein. J'appelle tous mes potos, mon pote, franchin, mec, tu sais, une muqueuse vaginale ou un membre phallien. Wow, oh là 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 là. Est-ce qu'on se connaît? Oh putain, mec, mes prières ont été entendues. Je suis en ligne directe avec le gentil petit dieu des singes qui se gratte le cul au paradis. What? Bon, puisque t'es un ange envoyé sur Terre pour le roi des singes, bah ça veut dire que tu sais déjà que je dois récupérer le pick-up de mon daron. Parce que bon, il l'a mauvaise. Mais si on lui rapporte, il me laissera dormir dans mon lit. Et je peux te dire un truc, c'est que ça caille drôlement dehors. Sans compter les tics qui grimpent dans mon froc. Mon dieu. Risque de me filer la maladie de l'âme et tout ça. Donc tu pourrais m'aider à récupérer le pick-up de mon père? Ouais, y'a pas de souci. Avant que le vieux se mette à tirer. Il est chaud comme la braise, c'est Attends deux secondes, attends. Deux secondes, je mets la quête. Le fils prodigue, voilà. Et on peut y aller. Au Sénat, le stress vachement. Il est pas taillé pour ces conneries. Tu sais, allez, vas-y. J'adore cette chanson, mais quand même.
Je vais me faire flaguer. Ça va pas être simple de récupérer Speedjump. In the street. En fait. J'adore cette chanson, mais je peux pas. En fait, je me rends compte que j'écoute la chanson depuis le début, mais que je t'écoute pas. Faut que je reprenne sa caisse. Ouais. Surtout, faut pas que tu t'en fasses, hein. J'ai un plan en 9 étapes pour le récupérer. En combien ? Passer une journée à spurger. Bon, ça c'est fait. Pas mal. Bon bah. Étape 2, prier pour que quelqu'un gère mon problème. Bon bah. Ça c'est fait aussi. Ça l'a pas stoppé une seule seconde dans son truc, hein. Oh merde. Oh merde, j'ai oublié. Bon bah c'est pas grave, hein, ça finira bien. Oh oh oh, t'es dans l'herbe. T'es dans l'herbe. T'as du talent pour écouter, tu sais. Mon vieux. Je t'ai pas écouté. C'est pour ça que. Enfin, compris quoi. On s'entend plus trop, lui, moi, ces temps-ci. Depuis qu'il s'est lancé dans sa campagne. Sur la gueule, ah, et puis j'ai ça aussi maintenant. Regardez, il est plus doré. Je suis passé sur un truc un peu plus. Armes, soft. Genre de truc, quoi. Et si on prend son pick-up au saké. J'aime bien l'aspect violent du truc. Il va m'adorer comme jamais. Et ensuite, ma mère devra m'aimer plus que ça. Pour pouvoir m'adorer autant que lui m'adorera. Et ensuite, il verra. C'est pas Clutch Nixon, ça? Et il essaiera de m'aimer encore plus. Et là, pour les anniversaires et Noël, ils vont faire chauffer la carte bleue. Oula, il s'est pris un truc, lui, derrière. Ok, on y est. On est où? J'adore cette chanson. Ça, c'est un tremplin. Ok, c'est un campement ennemi. Why not? Ok, c'est parti. Malheureusement, il y a l'autre qui descend. S'éclater, putain. Oh bah tant pis. J'ai défoncé le cul façon Wenja. J'aime bien ton style. Et si tu fais le boulot comme il faut, je te donnerai peut-être un truc sympa que j'ai préparé. Allez, suivant. Monte. Hop les deux. Allez, va tirer là. De 3. Non. Qui ose essayer de me voir? On s'explique, lui et moi. On va pouvoir essayer ce petit jouet. Mais non, faites pas genre, vous m'avez vu ou vous m'avez pas vu? Merde. Une flèche dans le genou! Oh! Au lance croquette. Et mon pote qui vient de lâcher une flèche monumentale. Ok, ça c'était pas prévu, mais. Voilà. Alors par contre, j'espère que ce n'était pas le. Oh, t'inquiète. T'inquiète là. Je sais pas où est censé être le pick-up, mais. Prends les devant, Urk, hein, je prends les devant. Complètement à quoi? Non. Il l'a prise, c'est bon. J'avais peur, vous savez que comme je m'éloigne de trop, ils ne veulent pas la prendre. C'est Renigo. Bon. Ouais, Nigo, je sais qui c'est le Nigo. Hop là. Mes couteaux sont prêts. Et. T'as remarqué, les nuages, ils ont toujours la. Je suis dans là. C'est marrant. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas qu'ils allaient être si nombreux. Medikit. Qu'est-ce que tu fais? Ton péché sera révélé. Hop là. Tu l'as aimé cette flèche? Okay, je suis sûr que oui. On se bouge avant que d'autres se pointent. Oh, ta gueule. Allez, mon kit. What?
What? Tu peux faire tes prières. Je t'ai bien crevé, fils de pute. Ok. Oh bah... je peux... voilà. Voilà. Oh. Il a un bon goût musical quand même. Allez. Mon cul, oui. Je vois personne. Hein. Ah, j'avais pas vu, il y avait des explosifs. Hop là, ça c'est fait. Tu te répètes. Tu te répètes, bonhomme. Quoi? Ils sont? Ah oui, là-bas. Hop là, il y avait un petit explosif. Oh, des explosifs partout. Des explosifs. Pas très balèze l'explosif finalement. Ça avait l'air plus impressionnant. On va avoir le panneau. Non, tant pis. Plus impressionnant. Et bien sûr. Ok, c'est pas grave. Ça avait l'air plus impressionnant du point de vue de l'hélicoptère quand on a pété tous les trucs verts, mais c'est pas grave. Ah, c'était bon. C'était tellement bon. Urk Senior. C'est les deux petits génies. Attends, tu veux pas une flèche? C'était dingue. Yo bro, tu disais. D'un seul morceau. Ok officier, vous avez tenu parole. Vous savez, j'ai pas mal réfléchi pendant votre absence. Cette histoire de Sénat, c'est trop pour moi tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger ma campagne. Mm-hmm. Et je vous sens tout à fait capable de coller mon cul à Washington. Votre première mission, ce sera d'amener Junior avec vous pour plus que j'aie à l'entendre prier comme un con à son roi des singes. Et la deuxième, j'ai pas encore trouvé, hein. Mais je vous tiens au courant. Bah écoute, il y a déjà une chose que j'aimerais savoir, parce que tu me parles d'un poste pour que je t'emmène jusqu'à Washington. Le pognon, le Saint-Argent, où est-il? Le Seigneur est prêt à tout essayer. Ouais, tu m'as filé ton gamin, quoi, c'est sympa. Je sais pas comment je vais le prendre. Honnêtement, je sais pas comment je vais le prendre. Qui se prête en soldat. Oui, c'est moi. Ouais. Je veux que ce lâche comprenne qu'il a toute mon attention. Ah, bah tant mieux. Ah. Tu n'as nulle part où te cacher. Les chasseurs viennent te chercher. Si ça, c'est pas une phrase qui me plaît. On vous chasse. Ouh. Ouh, ça me plaît. Le groupe de capture arrive maintenant là. Mais voilà mon nouveau directeur de campagne. Non? Bon bah tant pis. Bon bah go suite. Pour vous. Ça vous connaît les circonscriptions? Ouais. Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Y'a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Oh là, t'es sûr de vouloir te faire lire, toi? Figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venues me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. C'est pas faux. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Et tu veux? Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Tu me sors que t'es une DeLorean? Je lui dis que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Je me suis pris une balle. Est-ce que c'était une balle pleine tête que je me suis pris? Oula. Et c'est génial, hein. C'est en fait c'est le même principe que la drogue. Sauf que là, les chasseurs me... ftouf, un petit coup de fléchette. Ok. Tu vas être ma...
J'avais failli dire que t'allais être ma prochaine cible, mais non. Ce monde est faible. Ramolli. Ah, c'est ça le fameux merde. Truc de cerveau, lavage de cerveau. Ah, nous tiens. Des dieux. Mon ami. Aujourd'hui, ce sont des impies. Faibles. Veulent. Débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Le problème, c'est que je suis pas tout à fait contre lui non plus, là, pour le coup, quand il dit ça. L'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. Enfin bon, on va parler encore de ce sujet d'être pseudo-élu par le peuple. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Je parle aussi de célébrité, tout ce qui va avec. Dans un monde où les célébrités ne sont pas forcément extrêmement intelligentes ou extrêmement... Enfin, elles n'ont pas forcément une image extrêmement positive. Même si j'ai rien contre ces célébrités en elles-mêmes, c'est plus l'image qu'elles véhiculent et, encore une fois, plutôt le... Parce que... Oula! Abattre les faibles. Non, oh, je vais pas y arriver. Ah! Hop, et de deux, voilà. Parfait, parfait. Parfait. Abattons les faibles. La gêne. Bon. Tac, tu n'as rien vu. Tant pis. Abattons les faibles. Hop, j'ai pas réussi. Hop là. Oui, sacrifie les faibles. Tant pis. C'est fait exprès à mon avis, c'est pas faisable de cette manière. S'entraîner, traquer, tuer, sacrifier. Bien. Tire pleine tête, 6 secondes, d'accord, les exécutions m'apportent plus. Ne t'arrête pas, t'arrête pas. Ok, c'est chelou. Je sais pas ce que ça fait. C'est génial, hein. C'est absolument génial. Ce qu'ils ont fait au niveau de ce truc-là, c'est excellent. Ça me rappelle justement un petit peu, vous savez, les moments où dans Primal, on récupérait un petit peu tout ce qui était... tout ce qui était bête, sauvage, etc. Vous savez qu'on partait dans un délire de... On avait le mec qui nous faisait boire ou bouffer, je sais plus, fumer, récupérer la fumée de quelque chose. Et on devenait des... Oh merde, c'est celui. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça? Vérifie quand même. Oh, pourquoi je me tape? Oh, je suis pas mort! T'es stylé, toi, avec ton arc. Putain de merde! Quoi? Merde! Il est pas mort! Il est vivant! Mon cœur, il est vivante! Il est vivante! Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ah, t'es un mec sympa, gamin. Est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Pourquoi vous vous plantez au niveau du genre? On s'occupe de vous. Alors d'un seul coup, il y a un bug de genre, en fait, chers amis, c'est débile. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. Oh là. En tout cas, c'est génial, j'adore. Hein.
J'adore ce genre de mission. Ce qui avec la grâce était peut-être un petit peu moins intéressant parce que justement, un peu plus expectatif, on regardait plus quelque chose que l'on y participait finalement, avant le climax de la fin. Mais sympa. Salut. Ah. Il est l'heure de se réveiller pour une nouvelle journée. D'autres mini-trace. Ma grosse queue de cheval. D'autres mini-trace. Merci pour l'alcool. Et le matching. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du quoi? Game. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow. Hey, moi, tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce que t'as? Que vous voulez que je fasse? Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé. J'ai plein de mails qui arrivent sur ta famille. Comment ça rend les gens? Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. Mais oui, je suis dangereux, mais pour tes ennemis. Sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a besoin de lui. Je suis là, debout, mais vous. Laissez-moi me barrer. Elle l'a très bien pris. Dehors. T'es un mec bien, toi, je t'aime bien. Rien fait du tout. Dommage que tu sois aussi négligé physiquement. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Juste un tout petit peu de taillage, ça aurait été super. Je laisse peut-être même juste au niveau des cheveux. Salut, mec. Oui, j'ai plus mon pagne, vous avez vu, mais je vais changer. J'avais mis l'armure Omega pour le truc, mais... Salut, mec. Un monde faible. Oh là, c'est différent comme image. Only you. Du. Vous bossez ensemble. Il a pas mal roulé sa bosse partout dans le monde, mais il a pas retenu grand chose. À part pour faire tout péter. S'il parle d'un plan incendie à base de singes, je te conseille de l'ignorer. D'accord, pas de soucis. Bon bah je vais l'ignorer alors à partir de maintenant. Hop, je me suis changé un petit peu. Merde, hein? Les loups commençaient tout juste à revenir dans la région. Mais là, on les reverra plus. Merde, vous avez une sale tronche. Merci. Je vous évite pas, mais Ellie voudrait vous parler. D'accord, bah écoute, je vais aller voir... Vous voilà. Ellie Palmer, bonjour. Joli arc, joli... Joli plein de choses, en fait. Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Ouais. Bon, je vais vous parler franchement. D'accord. Je sais ce que vous avez fait au sud. Vous avez donné un bon avertissement au père et ça, c'est bon pour nous. Cool. On se fait laminer ici, faut être lucide. D'accord. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Fais avec ton arc. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. Hmm. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous, la secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. D'accord. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Pas de soucis. Vous allez devoir être une ombre. Si la secte découvre que vous êtes là, elle serait capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. C'est bon, j'ai mon propre arc. Effectivement, c'est ce qu'on va faire tout de suite, bonhomme. Pas de soucis. Ah oui, quand tu dis qu'il grouille, c'est sympa, effectivement, je confirme. Comme je l'ai déjà dit, si vous repérez, ils tueront nos gars. Alors vous faites pas voir. Il y a un conduit d'évacuation près de vous. Vous avez qu'à passer par là pour les surprendre. Conduit d'évacuation d'eau, effectivement. Bien vu, bien vu. Oula, allume... En fait du monde. Pas de coyote maintenant, pas de coyote maintenant, pas de coyote maintenant.
Et t'es mort. Ok, j'y vais. Faut que tu mettes à ta cible pour me sauver. T'es libre. Le Devil's Drop. Faut que t'ailles au Devil's Drop. Mais non. Il se passe des choses près des chutes d'Oziguan. Tu vas où? Les cinglés ont poussé une voiture en bas de la... Je bouge. Mais qu'est-ce que tu fous? Va prévenir tout le monde. Couvrez-moi. Non. C'est vraiment une journée de merde. C'est un petit mérite. Je bouge. Je saute. Surtout, dis à personne que j'ai été capturé comme ça. On était plus nombreux que ça. La secte a emmené les autres au Devil's Drop. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je croyais qu'il pourrait fuir. Il se trompait. Et merde. Ah merde, ils savent que vous êtes là. Allez, grimpe. L'enfer, c'est ton nom. Il est au-dessus de nous. Aide-nous à sortir de là. C'est pas beaucoup. Sauve nos gars au Devil's Drop. Je t'en supplie. Libéré. C'est bon. Tu fous. Et tu décèdes. Mais merde. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est sécurisé. Putain, ça s'est passé à rien du tout, quoi. D'accord. Sur le sentier de la guerre, ils cherchent le Wolfsden. Si les okay. nous trouvent, on est foutus. Et si nos gars crachent pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier. Le Devil's Drop est au sud de votre position. Au sud. Vendu. On y va. Très beau travail, officier. Merci. On va reprendre notre putain de montagne à Jacob, je le sais. Les cinglés ouais, c'est autant au sud que... Ils réclament des convois d'hélico pour patrouiller dans les Whitetails. Restez bien sur vos gardes. Mon bras est en bas de mon corps. Non, convoi armé, je les ferai plus tard. Là, je m'occupe d'abord de tes potes, je suis désolé, il y a plusieurs choses à faire. Ah, le Devil's Drop est juste à l'intérieur du tunnel. Faites gaffe, il y a un barrage routier un peu plus loin. Tac. Ah, c'était un petit peu plus sérieux comme... comme endroit, je trouve. Parce que vous en pensez? J'ai la sensation que c'était un peu plus sérieux dans la région. Donc, je sais pas. À voir comment sera ce montage. Ok, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Merde, il en a tué un. Je me l'ai fait vite. Putain, il en a tué un juste avant qu'on fasse quelque chose. Ok, j'y vais. Fais chier. Il y a foutu des caméras partout. Merde. Le pouvoir depuis son centre de commandement. Je pensais pas qu'il le tuerait. Vous savez, comme t'es dans une mission. Merde. Il y a un mec qui nous vient dessus de par là, mais... Hop là. Hop là. Putain, mais... J'ai 40 000 occasions de te buter, bonhomme. Oh la vache. Non, ça marche pas, cette histoire. Essayons autre chose. Et de 1. Ah mais arrête de t'approcher des flammes. C'est bon, c'est fait, je suis désolé pour le... Mais merde. Tout le monde est sain et sauf. Et dis donc, c'est mortel comme truc, hein. Le fait que vous nous ayez aidé à sauver les nôtres va remonter le moral des troupes. Peut-être même que ça incitera des gens à nous rejoindre.
Je savais que t'as mis se planter à votre sujet. Félicitations. Vous êtes des nôtres. Si vous Merci. Avez le temps, j'ai une autre mission. Venez me voir au Wolfsden quand vous pourrez. Je suis mauvais. Bon, tu me saoules. Voilà. Oh, tout de suite. Tout de suite, c'est un lâche. Oh, bah viens me traquer quand il gueule deux secondes. Traque-moi quand il gueule. Franchement, j'attends que ça. Viens à toi-même de buter. Enfin bon. Du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense, parce que ça fait à peu près une heure de tournage. Hop là, parfait. On va exploser ce truc. Pas. Voilà. Et j'ai entendu des bestioles derrière moi par contre, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était et on va se retrouver dans le prochain épisode pour la suite. Notre aventure après cette brochette du miracle. Salut les gens et... Mais putain, mais ils sont nombreux.